Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour parler du film qui, à mon goût, cristallise au mieux l'essence du cinéma et de l'art en général, à savoir Midnight Express. Pour comprendre au mieux le cheminement psychologique de Billy, il est important de commencer par établir trois variables émotionnelles. Ces trois variables représentant des sentiments seront omniprésentes et suivront des trajectoires différentes tout au long du film. Nous avons donc l'espoir, qui est le point central du récit et qui sera oscillant tout au long de ce dernier, l'injustice, qui elle sera constante, et enfin la folie, qui elle sera progressive. Le film commence réellement lorsque Billy se fait attraper par la police turque. À ce moment-là, l'espoir est au plus bas. Bien qu'il ne sache pas encore exactement ce que la justice turque lui réserve, on le voit abattu, car il est conscient de ce qui l'attend potentiellement. Et on le sent également désespéré en raison de l'hostilité du milieu dans lequel il se trouve. Néanmoins, l'espoir commence à renaître avec l'arrivée de l'interprète et sa proposition de collaboration. Si Billy est dans un premier temps rassuré par l'arrivée d'un occidental, sa courte mésaventure orientale a déjà affecté sa raison. La folie, bien qu'encore très loin du pic qu'elle attendra à la fin du métrage, est déjà en train de le gagner. Déteignant sur sa jugeote et sa paranoïa, la folie pousse Billy à fuir la police d'un pays dont il est étranger. Une fois attrapé, l'espoir entrevu plus tôt avec l'interprète est totalement douché et il est envoyé en prison. Prison dans laquelle il fait face pour la première fois à cette notion d'injustice lorsqu'il voit ses conditions de détention, la commodité des gardes et surtout la sentence qui lui est réservée pour avoir pris une couverture. Et ses premières rencontres en prison ne feront qu'augmenter son exposition à la folie et baisser son espoir. D'un côté, il voit Max qui, après 7 ans en prison, est complètement devenu fou, et de l'autre, il rencontre Jimmy qui lui dit qu'il est complètement impossible de rêver d'une sortie dans cette prison. Il rencontre également Eric qui, lui, essaye de tempérer les propos de Jimmy. Il est indirectement une lueur d'espoir dans le calvaire que vit Billy. Il lui suggère l'idée de ne jamais désespérer, bien qu'en raison de l'injustice régnante, le seul espoir de sortie semble être l'évasion ou la corruption. Cette injustice régnante sera d'ailleurs renforcée par la première incarnation physique de la justice turque. Porteur d'espoir dans un premier temps, l'avocat semblera complètement désintéressé et incompétent. Et la deuxième incarnation de la justice turque, à savoir l'avocat de la défense, lui demandera une peine à vie pour trafic. Cette peine sera transformée en 4 ans par un juge qui douchera complètement le peu d'espoir qu'il restait à Billy. Mais l'espoir remonte lentement et progressivement au fur et à mesure que les jours passent. Bien que l'espoir prenne des coups, à chaque fois que Billy voit Jimmy sombrer de plus en plus dans la folie et mourir à petit feu, qu'il est confronté aux actes d'injustice horribles qui sont commis dans cette prison. Mais Billy finit par trouver de l'espoir et du réconfort en Eric, surtout quand ce dernier finit par être libéré. Bien qu'Eric, personnification de l'espoir, ne soit plus là, il ne reste plus que 53 jours de détention à Billy. L'espoir est alors de retour et il grimpera en flèche au moment où Billy apprend qu'il est convoqué, sans réellement savoir ce qui l'attend. Et une fois au courant, les premiers signes de folie font leur apparition. Rejugé alors qu'il arrivait à la fin de la peine qu'il attendait tant, Billy est condamné à 30 ans de prison avec « J'ai les mains liées comme Ankara » comme seul justificatif, preuve encore de l'injustice régnante. Juste avant la sentence, on voit la folie de plus en plus en train de gagner Billy, et au moment de son annonce, l'espoir est au plus bas. Si dans un premier temps, il pense être condamné à devoir périr dans ce climat d'injustice qui le mènera droit à la folie, Jimmy, jusque-là porteur involontaire de désespoir, lui donnera une raison de se battre, et donc de l'espoir, avec son plan d'évasion. Mais plus les tentatives d'évasion échouent, plus le désespoir exprimé par des signes de folie commence à regagner Billy. Et cette folie atteindra un point de non-retour quand, à cause de Rifki, Billy perdra son seul espoir de s'en sortir et son seul ami. La folie l'a définitivement gagné. Il est envoyé à la section 13 où l'espoir de s'en sortir semble inexistant. Mais Billy va tout de même tenter de se battre contre cette folie. Et c'est là-dessus que s'axeront les 30 dernières minutes du film. Suzanne et le violeur pédophile lui donneront les armes et l'espoir de s'évader, ce à quoi il parviendra. Et bien que la tournure de l'évasion soit grossière, on finit tout de même par être soulagé. Malgré les injustices et contre la folie, on a enfin retrouvé l'espoir qu'on a cherché tout le long du film. Raconté de la sorte, et avec une fin aussi invraisemblable que rocambolesque, on pourrait se dire que le film n'en vaut pas tant la peine que ça. Pourtant, la force de ce long métrage se trouve dans sa réalisation et dans les choix qu'Alan Parker a fait pour rendre l'expérience la plus immersive possible. Globalement et aux premiers abords, le film ne semble pas révolutionner le domaine. Les plans, la photographie et les scènes sont plutôt simples, mais le film se démarque par des détails beaucoup plus subtils, contribuant à renforcer la sensation d'immersion, à commencer par l'ambiance générale. Le film ouvre sur des plans retranscrivant plutôt bien le ressenti de Billy, une chambre d'hôtel étroite, un aéroport oppressant, une chaleur peu soutenable. Dans le synopsis, on sait déjà que Billy va se faire péter, pourtant on réussit à ressentir la tension ambiante grâce au magnifique jeu d'acteur de Brad Davis et aux habiles choix sonores du réalisateur. D'ailleurs, le travail sur le son est un des autres facteurs d'immersion. Les dialogues turcs ne sont volontairement pas traduits.
Et la musique, bien que peu présente, est excellente et utilisée à bon escient. Toujours concernant le son, certains cris renforcent puissamment le désespoir et l'injustice dont je parlais dans la première partie. Et en plus du son, certains plans sont tellement efficaces dans la transmission d'émotions, que ce soit pour le désespoir, pour l'injustice ou pour la folie. D'ailleurs, le jeu de l'acteur principal contribue grandement à cette transmission d'émotions. Jamais excentrique ou exubérant, il enfile à merveille le costume du monsieur de tout le monde qui vit une expérience insensée. Et cela renforce davantage notre capacité à se mettre à sa place et à ressentir ce qu'il vit. On souffre pour lui, on a de la peine, on est pris de colère à chaque injustice qu'il subit, on s'attriste à chaque marche de la folie qu'il grimpe, et à la fin, on est autant soulagé et heureux que lui, alors que le dénouement semblait clair depuis le début du film. En bref, on partage son expérience, et on en vient même à se demander « Comment est-ce que j'aurais pu vivre ou supporter une telle situation ?» L'artiste a donc réussi son travail, il est parvenu à nous mettre à la place de son protagoniste, et à nous faire ressentir toutes les émotions que Billy vit. Je reconnais qu'il est fort probable que je surinterprète tous les stratagèmes cinématographiques mis en place dans Midnight Express ou que d'autres films le fassent tout aussi bien. Le truc, c'est qu'après mon premier visionnage, j'étais complètement bouleversé car je n'avais rien vécu de tel derrière un écran. J'ai ressenti par procuration tout ce que Billy a traversé alors que je n'ai rien vécu de tel. Et pour être honnête, mon deuxième et troisième visionnage du film ont été beaucoup moins bien. Étant donné que je savais à quoi m'attendre, je n'ai pas eu les mêmes sensations que la première fois et je me suis plus focus sur ses défauts, comme sa fin un peu tirée par les cheveux par exemple. Pourtant, c'est l'expérience de premier visionnage d'un film qui m'a le plus marqué. Grâce au magnifique travail d'Alan Parker, me faisant passer de l'espoir au désespoir, tout en me faisant ressentir de la peine et du dégoût pour l'injustice et la folie ambiante, j'ai vécu des montagnes russes exceptionnelles qui ont grandement été renforcées par le travail sur l'audiovisuel. Et c'est de ça dont je parlais en introduction quand j'évoquais l'essence du cinéma, à savoir une alliance entre image et son au service du ressenti et de la transmission d'émotions.